Salut tout le monde, Steven. Alors aujourd'hui, on va tester un nouveau jeu rétro. Il s'agit de X-Men Mojo World, sorti en 1996 sur Sega Game Gear, l'équivalent de la Game Boy version Sega, colorisée. D'ailleurs, à la star de Game Boy, qui était les premiers jeux Game Boy étaient en noir et blanc, et ben la Game Gear était la console portable, mais en couleur. Voilà. Donc, alors pour ce qui concerne le jeu, ben c'est un jeu de plateforme. Et mais oui, surtout un jeu de plateforme où on contrôle les X-Men. Donc on contrôle à tour de rôle ben, divers membres des X-Men. Là, là j'ai choisi Wolverine. Donc le but c'est de tabasser des ennemis, ramasser des items. Bref, le jeu est bien, mais bon, un petit peu. Je vais pas dire qu'il est dur, mais il est pas simple. Franchement, il est pas très simple. Faut vraiment bien faire gaffe. Faut vraiment pas faire n'importe quoi. Ah merde, et là vous voyez, j'ai même pas eu le temps de sauter. Ah putain, et je tombe comme un con, putain. Et c'est la première fois que je joue à un jeu Game Gear, c'est la première fois, hein. Pour la simple bonne raison, j'ai jamais eu la Game Gear. J'ai eu la Game Boy, mais jamais la Game Gear. Attention. Oh, mais ils sautent correctement aussi, merde. Oh. Ah, ils sont chiants. Et pourquoi dans le niveau, dans les égouts? C'est débile. Vraiment débile, hein. Et vas-y, putain, vas-y. Bon, sinon, mis à part ça, le jeu, franchement, bon, je sais pas, je suis partagé entre est-ce qu'il est bien, ou est-ce qu'il est pas bien, ou est-ce qu'il est moyennement bien, bref, les avis sont partagés, hein. Allez, mais meurs, meurs, mais putain, mais crève, oh, mais les ennemis, ils mettent du temps à crever, sérieux. Non, pourquoi ils font ça? Ah oui, j'avais oublié de vous dire, quand vous activez le bouton Star, ça vous activez un super pouvoir. Wolverine, pour activer faire sortir ses griffes, c'est le bouton Star. Ce qui est totalement débile, parce que déjà, les griffes de Wolverine, elles sortent toutes seules. Elles sortent pas en appuyant sur un bouton Star ou quoi que ce soit. Ah merde, et en plus je me suis cassé la gueule. Comme je viens de vous le dire, le jeu est sorti en 1996. Allez, est-ce que je peux passer? Ah, bah c'était la fin du niveau. Oula, qu'est-ce que c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi cette chose? C'est quoi? C'est un rat mutant? Ah, d'accord! Ah, on peut aussi faire des doubles sauts. Wow, par contre, je ne savais absolument pas. Allez, mais crève! Bon, ok, je ne sais pas ce que c'est. On dirait un croisement entre un rat et un ours. Limite un chien. Et ben je l'ai battu. Voilà. Bon, allez, c'est bon. Alors, maintenant on va passer au niveau 2. Après les égouts. Attends, c'est quoi ça? Ah merde, d'accord, c'est d'accord. C'est d'accord. C'était un trou et on crève. D'accord, il faut pas descendre là. Ah oui, et on peut faire des doubles sauts. Bon, là, il n'y a rien. Voilà. Ok, ça par contre, je ne savais pas, maintenant je le sais. Allez, on continue. Bon, alors les items que vous allez. Aïe, merde! Ah putain, il est en train de me pourrir celui-là! Alors les items que vous allez ramasser, c'est souvent des cœurs qui vous rapportent de la vie et des X qui vous rapportent des super pouvoirs. Et c'est tout. Attendez. Non, là, attention au trou. Attention au trou, attention au trou, attention au trou. Faut pas faire n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il y a au fond? Ah, attendez. Ah, il me semble que. Ah tiens, un petit coup de griffe! Voilà! Attendez, je crois que je reviens au début. Attends, je vais quand même vérifier. Oui, c'est le début. Je reconnais le trou qui avait là. Ce même trou auquel je me suis cassé la gueule. Allez, youhou! Ah merde! J'ai même pas eu de temps de sauter. Oh. Putain, mais votre perso, il pas au moins, il est lent. Il est lent, sérieusement. On peut rien faire. Il y a d'autres jeux de la franchise X-Men de chez Marvel qu'il va falloir que je teste. Bon, je ne sais pas si je les testerai tous, mais je les testerai. Mais putain, allez, dégage, tu vois! Oh! Putain, je me fais pourrir, sérieusement. Voilà, attention, attention, oui, attention au trou. Bon, attendez. Bon, on va pas revenir au début parce que ça sert à rien. Allez, oui, on continue. On évite le trou. On dit putain d'ennemi. Allez, voilà. On sait même pas où est-ce qu'on va. Merde! Ah zut! Il y avait un autre qui me tire avec son bazooka là! Oh! Ah oui, il y a une chose que j'avais oubliée, à chaque fois que vous utilisez votre super pouvoir, quand vous l'activez, ça fait baisser votre énergie de super pouvoir. Ça aussi c'est débile.
Faut vraiment faire gaffe, faut vraiment pas faire n'importe quoi. Ah putain, et encore un autre avec son bazooka. Allez! Oh, eh, si je suis touché, ne serait-ce qu'une fois, je suis mort. Oh, faut de la vie. Ah bah tiens, bah, les fameux X dont je parlais, les fameux items pour gagner des super pouvoirs. Attention. Faut faire gaffe. Ah, encore des super pouvoirs. Et merde! Ah, et putain! Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. De toute façon, je m'y attendais. Bon, c'est pas grave, on va prendre un autre perso. Et cette fois, on choisit Rogue, plutôt Malicia en français. Et sa capacité, bah, c'est de toucher à tout. Et merde! Oh, je suis encore tombé dans ce putain de trou. Et en plus, il y avait un espèce de petit cœur à gauche là. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Oui, donc je vous disais que le pouvoir de Malicia, enfin de Rogue, c'est de copier, enfin de prendre les pouvoirs des autres au contact avec le toucher. Et elle est aussi capable de voler, hein. Attendez, on va prendre un petit peu d'énergie, après on va bastonner. Hein. Bref, le personnage est sympa, et même très sympa. Voilà, et il meurt, meurt! Et très sincèrement, je préfère autant la Malicia de cette période années 90, parce que la version des années 2000 et quelques, ça va pas bien du tout. Ah, et bien là, par contre, je viens de trouver un passage secret. Oh D'accord, je sais pas qui c'est qui a creusé ce trou, mais c'est pas une taupe. Ah oui, voilà, on saute. Là, attention, oui. Hey, oh, arrête de me braquer, toi, hein. Mais dis donc. Ah, il y a encore des X qui forment les super pouvoirs, qui donnent les super pouvoirs. On va voir si on peut les récupérer. Ou peut-être pas. Est-ce que... Non, ça va pas. Bon, c'est pas grave. On va continuer à marcher. Ah, oh, mais c'est pas possible. Hé, hey, les mecs, vous êtes pénibles avec vos bazookas, hein. Ah, super, des X qui donnent des super pouvoirs. Voilà, comme je viens de vous le dire, sa capacité, c'est non seulement de prendre le pouvoir des autres au contact avec le toucher, mais elle peut voler aussi. Quand je dis voler, c'est voler dans les airs, c'est pas voler du terme voler quelqu'un, hein, évidemment, hein. Attention, oui, attention, pas faire n'importe quoi. Allez, on continue. Yeah, je vole! oui, voilà. Alors, on va tout de suite s'intéresser au deuxième boss. Ah, oui, je le connais, celui-là, c'est Magneto. Mais oui, Magneto, oui. Et on se demande ce qu'il fout dans un camp militaire, celui-là. Est-ce que c'est un prisonnier? Est-ce que ces militaires travaillaient pour lui ou je sais pas quoi? Bref, on sait pas. Allez, meurs, voilà. Bon, ça va, il était facile à buter, celui-là. Bon, allez, on continue. Cette fois-ci, on est dans une sorte de complexe. Pas dans une usine, probablement. Oula! Oula, c'est qui? C'est un autre sosie de Cyclope ou quoi? Bref, fallait savoir. Allez, donc je vous rappelle, pour activer les super pouvoirs, il faut appuyer sur Star. Hein. Bon, là, pour l'instant, j'ai pas envie de gaspiller trop de super pouvoirs. Attendez, on va monter. Voilà, on va descendre. Voilà, très pratique cet ascenseur. Oula, j'ai. Ok, là j'avoue que j'ai cru que j'ai. C'était un trou et on meurt, enfin une sorte de piège, mais non. Pas de panique. Ok, on continue. Allez, on va voler. Attendez, pas non, pas tout de suite. Allez. Attendez, Oui, il y a une chose qui est chiant dans ce genre de niveau, à quel point on peut se perdre. C'est vrai, on se perd. Voilà. On continue. Bon, je sais pas qui sont ces ennemis, on dirait des espèces de Robocop. Enfin, un croisement entre Cyclope et Robocop. Allez, on continue. Voilà. Oui! Tu t'envoles, tu t'envoles. Yeah! Je suis Superman! Yeah! Tiens, je te laisse! Comment je vous mind? Ah, ok. J'adore ce jeu. Ok, j'adore ce jeu. Bon, même si je suis pas grand fan des.
Des X-Men, hein. En fait, si, je suis un grand fan des X-Men, mais bon, je suis un grand fan de Marvel, bien évidemment. Allez, tu t'envoles, tu t'envoles. Allez, on continue. C'est quoi ça? Ah, encore un autre ascenseur qui nous mène quelque part. Voilà, on continue, on vole. Ah, mais on peut pas passer. Oui, alors, si vous ne pouvez pas passer dans certaines parois, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Allez, on continue, on bute un ennemi. Ah, attendez, encore un autre ascenseur. Voilà. Allez, on prend un cœur. Ah, là, on peut pas passer. On bute celui-là. Allez! Et on s'attaque tout de suite au troisième boss, une sentinelle. Mais oui, les fameuses sentinelles. Pas l'oublier ça, ces fameuses sentinelles. Yeah, tiens, je te baise. Tiens, je te baise. Je te baise. Eh ben, j'ai gagné. Voilà, j'ai gagné, voilà. Non mais franchement, c'est fou à quel point les boss dans ce jeu sont faciles à battre. Allez, niveau 4. Bon, là, je sais pas du tout où on est, mais c'est pas grave. De toute façon, plus après tout, je m'en fous, hein. Alors, on marche, on marche. Je suis obligé de sauter. Oui, excusez-moi, je suis obligé de sauter pour. Parce que là, vous voyez, c'est une sorte de d'élévateur qui nous fait reculer. Allez, dégage! Oh putain, la chiantisme, je te jure. Voilà, ok. On marche, on continue. On bute des ennemis. D'ailleurs, je demande toujours qui sont ces gars. Est-ce que c'est des. Bref, je sais pas. Moi, pas savoir. Et puis après tout, je m'en fous. Oui, alors faites gaffe parce qu'il y a certains passages qui sont labyrinthiques. Tellement on s'y perd. Faut vraiment, mais bien faire gaffe. Bon, là, il n'y a rien. Juste à part un cœur à ramasser. Voilà. Est-ce que. Oui, on peut passer. Ouais, ok. Voilà. Ah, attendez, encore des super pouvoirs ramassés. Voilà, allez, on dégage. Putain, je sais pas pourquoi je sautille comme ça. En fait, c'est pour accélérer. Oula. Ok, c'est. Oula. D'accord. Je sais pas où est-ce que j'ai atterri. En fait, j'ai atterri sur un élévateur. D'accord. Bon, mis à part ça, je ne sais pas où je vais. Là, on bute un ennemi. Je sais même. Attends, et qu'est-ce qu'il y a? Non, là, il n'y a rien. Ok, donc raison de plus pour ne pas rester ici. Pour aller ailleurs. Attends. Attendez, où est-ce que je vais? Attendez, on va sauter, voilà. Ah oui, on va prendre ces super. Oui, je rappelle les X qui tournent sont des super. Obtiennent des super pouvoirs. Hein. Ah, un cœur, très bien. Bon, fuis off. Bon, sinon, mis à part ça, le jeu, comme je viens de vous dire, est un petit peu labyrinthique sur les bords. Hein. Bon, écoutez, de toute façon, n'attendez rien de ce jeu. Puis, attendez, est-ce qu'on peut passer par là? Non, on peut. Ah, attendez, non, je suis déjà passé par là. Hein. Attends, il me semble que je suis déjà passé par là. Oui, ça y est, je me souviens. Oui, bah, oui, comme je viens de vous le dire, par moments, on s'y perd dans ce jeu. Donc, oui, une chose qui est vraiment chiant dans ce jeu, à quel point on peut s'y perdre facilement, c'est assez labyrinthique. Bon, écoutez, c'est pas là, c'est pas là, je propose qu'on s'arrête là. Voilà donc, les gens, c'est donc la fin donc de ce test. C'était donc X-Men Mojo World sur Sega Game Gear. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas le pouce bleu et l'abonnement. Et d'ici là, salut et rendez-vous pour de prochains tests.